Les nouveaux jardins ont pour objectif principal de favoriser une meilleure inclusion sociale de personnes ayant migré vers la Suisse suite à un exil difficile et n'ayant pas encore recréé un réseau social au niveau local. En 2018, le projet a proposé un nouveau format. Chaque participante ou participant a jardiné en tandem avec une autre personne habitant le même quartier ou la même commune, mais cela depuis de nombreuses années. Ainsi, dans chaque jardin, entre 15 et 20 personnes se sont retrouvées régulièrement et des liens se sont créés. La participation a été forte et les rencontres spontanées au jardin ont été nombreuses. Dans certains cas, les duos se sont même retrouvés en dehors du jardin de manière régulière, parfois jusqu'à une fois par semaine. C'est le signe pour nous qu'il existe de part et d'autre de la population une demande importante pour la rencontre et l'échange et que le jardinage peut encourager cela. En 2018, 84 personnes migrantes et 71 partenaires locaux ont pris part au projet, soit 155 personnes. En plus de cela, le projet a lancé un appel en 2018 afin d'identifier des particulières et particuliers souhaitant mettre une partie de leur jardin privé à disposition de personnes ayant déjà participé au tandem dans les jardins de l'EPER et souhaitant continuer à jardiner en lien avec la population locale. Dans ce cadre-là, nous avons pu effectuer 10 mises en lien et à la fin de l'année, 7 duos prévoyaient de poursuivre en 2019 et indépendamment de l'EPER. Nous sommes ravis du bilan de l'année 2018 et nous réjouissons déjà du printemps 2019 afin de redémarrer nos activités.